Ah, salut tout le monde. Bon, vous avez dû voir le message sur Facebook, mais là, comment t'expliquer? Mentalement, je suis à bout, tu vois, c'est bon. Les embrouilles à deux balles, j'ai passé l'âge, t'as vu. Donc, t'as dû le voir en miniature. Alors, il y en a qui vont dire, le prix est excessif, machin. Alors, je rappelle, les pneus sont neufs, les freins sont neufs. La moitié de la bécane est neuve, tu vois. Tout le bas moteur est neuf, tous les roulements ils sont en céramique. Enfin bon, je vais te laisser aller voir, tu vois, quand tu verras la miniature. Je vais encore rouler un peu avec, tu vois. Parce que là, tu vois, faut que je fasse quelque chose, parce que sinon, tu sais, je vais devenir fou. Et moi, quand je deviens fou, tu vois, il y en a certains, ils commencent à me connaître. Maintenant, si je pète vraiment un plomb, tu vois, bon. Ça va très mal se passer, tu vois. Donc je vais sûrement racheter une TZR, mais ça sera une autre, tu vois, ou quelque chose, c'est faire un autre truc, tu vois. Voilà, bon, ça me fait chier, je te le cache pas, tu vois. Mais là, je n'ai plus le choix, tu vois. Soit je réagis, soit je coule, mentalement, tu vois. Donc je pense que, tu vois, il faut que je réagisse, parce que sinon, tu sais. Voilà, donc en plus, tu vois, je sais pas si tu vas voir. Forcément, je vais donner la fourche qui va avec, tu vois. Les carénages, je vais les remettre sur la moto. Forcément, tu vois. Je vais rouler encore un peu avec. Je ferai des vidéos, machin, etc. Avec. Je continuerai à vous aider, hein, vous inquiétez pas, quoi. Mais là, tu vois, mon cerveau, il va péter, sinon. Faut que je réagisse, parce que sinon, je vais péter une pastille, tu vois. Donc, bah, voilà. Donc, bah, je vous laisse cette petite vidéo, hein. De toute façon, sur la moto, tout est neuf. La peinture, elle est neuve. Les poignées, elles sont neuves. La boîte, elle est neuve. L'embrayage, c'est un full TPR, il est neuf. J'ai remis un TPR, c'est pour que ce soit moins chiant. Elle roule au mélange à 2,5%. Enfin, il y a Arthos de trucs neufs. Tout le bloc, il est neuf. Il y a un kit R4 Racing. Tu vois, elle prend 100 en 12,47 transmission. Sinon, 106 en 13,47. Avec l'échappement 5DU, parce qu'il est full débridé, tu vois. Donc je l'ai mis en vente sur le bon coin. Ah, je vous invite à aller voir, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, je la laisse, tant qu'elle n'est pas vendue, je la laisse. Voilà, je ne baisserai pas le prix. À part si un gars, c'est un vrai connaisseur, tu vois, qui vient me voir machin, tu vois. Mais sinon, je ne baisserai pas le prix, tu vois. Parce que j'ai mis Arthos de frais dedans. Pour te donner une idée, tu vois, l'étrier arrière spécifique à cette machine, il vaut 250 balles. Tu vois. Bon, j'ai réussi à en avoir un à 100 euros, tu vois. Mais voilà, la moitié des pièces sont plus fabriquées, tu vois. Faut que tu te prennes la tête pendant X temps avant de trouver une pièce, tu vois. Pour tout ce qui est la partie SICK, parce que si tu veux, la partie SICK, ça appartient au TZR 80. Tu vois. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, je la laisse en vente. Hein. Je vous invite à aller voir et je vous dis à plus tard, tu vois. Je vais me faire une petite pause parce que là, sinon, je vais devenir fou, tu vois. Dans pas longtemps, je pense. Donc, tchuss. Et à plus tard, j'ai envie de dire.